Bonjour à tous, c'est Bustasan, bienvenue pour une nouvelle VOD. Aujourd'hui, on va se faire le Goku Rush. GT en vie artificielle et objectif Son Goku. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour suivre les prochains lives ou les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vais mettre aussi un petit lien vers la chaîne de Benchab, donc du contenu de qualité. Je vous invite à le checker, évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur le bouton i en haut à droite, comme d'habitude. Donc voilà, nous pour ce Goku Rush GT en vie artificielle, objectif Son Goku, on est parti, évidemment, comme ça. Donc, le double sel MF, tout simplement. Le petit, donc, augmentation de def sur l'aspect et stack d'attaque. Le petit sel puissance qui augmente l'attaque sur l'aspect, qui fera du debuff, et en plus qui nous fait du support. Le petit CLR Int qui fera un petit coup de debuff qui nous servira de Senzu. Le C16 Int ZTUR Super Strike qui pourra activer la garde, qui augmente la def sur l'aspect. Le C13 AJ qui debuffera, qui sera capable d'avoir le... Bah, en fait, on a le coup qui est obligé de faire mouche. Et si on affronte du Goku, une fois transformé, on a le critique garanti. Et le Super C17 AJ pour la tankiness, tout simplement. Donc nous, on est parti comme ça. On se retrouve dans le premier combat. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc toute première rota, on est pas mal du tout. On va se garder... Bah, en fait, non, on va garder comme ça, parce que ça a l'air d'être quand même beaucoup mieux. Bon, bah là, je pense que malheureusement, ce petit Goku va pas nous faire un tour. Hein. Bon, de toute façon, on va pas garder la rota avec le C13, on va le foutre en flotteur, parce que sur la dernière phase, sinon, même si on a le critique garanti et tout, je pense qu'on va quand même prendre un petit peu tarif. Donc on va se méfier. On va se faire une rota avec le sel AJ, une rota avec le sel puis une rota, bah, sel AJ, et une rota avec le sel LR Int, je pense. On va viser pour la dernière rotation, peut-être avec Super C17 si ça link bien, histoire d'avoir un perso qui encaisse bien. Ce qui serait cool. Ok, bon bah, il n'y a même pas le temps d'attaquer. Au moins c'est bien, on a fait un double stack d'attaque. Ça enverra bien du pâté. Ok, ça c'est pas folichon. C'est le moment d'activer un petit peu justement tout son passif à lui. Tac. Tac. Au fur et à mesure qu'on va prendre des attaques, on va mieux encaisser, donc de préférence pas d'espé d'entrée, ça m'arrangerait. En plus, on a pris un petit doublon dessus il n'y a pas longtemps, donc ça devrait faire toute la différence, parce que sans doublon, on va pas se mentir, sans doublon pour encaisser, ce n'est pas top. Avec du doublon, la différence est assez flagrante. Hein. Ok. Double spé. Enfin, pas double spé, hein. Une spé déjà. Faire une double spé. Quoi qu'on lui a déjà mis de tarif, mais voilà, double spé. C'est la préconnaissance, je l'avais anticipé, quoi. Et hop, là, il m'a dit, si ça va tout le temps à cette vitesse-là, ça va aller ultra vite. Phase suivante. Absorption, normale. C'est pas plus mal, remarque, quand ça va vite, c'est d'autant mieux, quoi. Et ben, on a les deux sels dans les mêmes rota. Bon, lui, l'ami, on n'a pas le temps de faire de stack, malheureusement. Ok. Ça, par contre, c'est une rotation vraiment pourrie, quoi. Et encore, le mot est faible. Une rotation complètement à chier. Donc, il va falloir vraiment compter sur les spé sup, tout simplement. Bon, esquive, ok, donc pas de spé sup. Là, pas de debuff, évidemment. Bon, bah là, on va la sentir passer un peu. Voilà, normal. En même temps, on n'a pas fait de spé, on n'a pas fait de debuff. On a, voilà, c'est vraiment un tour à vide. Cette rotation-là, elle est à chier. Clairement. Alors, bon. On va faire ça comme ça. On va garder le sel dans cette rota-là. Et on va amener le Super C17 dans l'autre rotation. Histoire d'avoir un perso qui encaisse. Alors espérons que C16 fasse son taf, hein, active sa garde. Et qu'il augmente la def pour un tour. Donc voilà, si vous posez, c'est full sup. Okay, garde activée, magnifique. Donc espérons qu'il va pas me spé là. Même si sur l'SP on reprend de l'attaque et de la def. On ne peut pas le debuff comme vous pouvez voir, voilà. Bon, la grosse faiblesse de cette team-là, c'est qu'on a beaucoup d'agis quand même. C'est vraiment la grosse faiblesse. Ok, zéro dégâts, zéro dégâts, et zéro dégâts. Suivant.
Malheureusement, lui, on ne l'aura pas fait en un tour. Et on passe directement en forme finale, évidemment. Cette classe se scelle. Le C13 qui se transforme, parfait. Voilà, maintenant on aura du critique garanti avec lui. Donc lui, voilà, hein, c'est vraiment un perso full sup. Ok, on va pouvoir faire un petit coup de régène quand même. Et on n'a pas d'endurance, donc on va partir comme ça. J'espère qu'on va pas prendre de spé d'entrée parce que bah CLMF c'est pas un tank. Hein. On stack pas la def. Esquive, magnifique. Magnifique de chez magnifique. Donc voilà, les autos, on les encaisse très bien. Par contre, on aura pas une spé, on l'aura senti passer, ce qui est logique. Hein. Donc là par contre, il va commencer à morfler. Hein. 6 millions 6. Et on est seulement à la troisième phase de mémoire. Et voilà, vous voyez déjà juste une spé et double spé, donc voilà. Et de toute façon, lui, il va nous faire un boulot monstrueux pendant tout le long de la run. Hein. Dès qu'on l'a en première position, de toute façon, et qu'on peut partir en spé, on lui fait grave du dégât. Et là, tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de chance sur la rota, sinon on aura fait grave du dégât. Et on l'aura buté sans doute en un tour. Hein. Comme vous avez vu, lui, il a pu attaquer. Là, ça fait son petit lot de dégâts. Ok, bon, bah, très bien ça. Très bien, très bien. Enfin, hop, il y a les mollo sur le stack. Tac, tac, tac. Parce que plus tard, on mettra le Dock and Mod, évidemment. Mieux ça sera. Après, de toute façon, on a la phase Ozaru direct. Ah bah ça va déglinguer, je pense. 2 millions 2, ok. C'est quand même à 2 millions ce petit CSS qui était bon, inutile jusqu'à maintenant, clairement. Et qui fait bien le taf maintenant. Garde activée, nickel. Garde activée, parfait. Bon, bah parfait. Perfecto, perfecto. Bon, on va se la jouer tranquillou. Hein. Hop. Et là, de toute façon, on craint que dalle. Alors, ce super C17, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Ok, le million. Très bien, justement, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, 58 000, c'est super gentil. Parce qu'il faut dire que pour la phase tech, il va falloir quand même se méfier. Je pense qu'on pourra prendre facilement 250 000 de dégâts. Surtout si on approche tout le passif. Oh, il te l'arrache. Et chose de bien, quoi. On va anticiper un petit peu tout ça. De toute façon, maintenant, c'est crit garanti automatiquement. Voilà. Et tac! Bon, lui, à mon avis, il fait le tour. Même s'il a mis la 55%, je pense qu'il va faire le tour. Ce qui serait parfait, ce qui me permettrait qu'on claque le Dock and Mod directement sur la phase essai J4. Tout va dépendre des doubles spé. Malheureusement, pas de double spé. Après, il n'y a pas de doublon sur la mi, donc c'est normal. Hein. On aurait pu proc, mais bon, il y a moins de chance, évidemment. Ok, les autos, parfait. Bon, là, on prend le spé, donc là, on va un petit peu douiller. Voilà, un petit peu beaucoup. 351 000, hein, ça détend. Bon, là, on va lui recaler les crit dans la gueule d'office. Peut-être double spé, qui sait. Et de toute façon, dans tous les cas, même si on double spé, on est sûr de crit. Et double spé, donc on est sûr de crit. De toute façon, il a le crit garanti dans cette transformation-là, contre les Goku, évidemment. D'accord, d'ailleurs, un petit C13 LR. Ça serait cool. Hein. Et ben là, on va pas s'emmerder la vie. On va attendre. On va activer l'active skill. Comme ça, on va pas partir en Dock and Mod. Et on va le finir comme ça. Comme ça, on commencera le tour de SSJ4 avec le Dock and Mod direct. Et puis basta, quoi. Là, en plus, on a l'avantage team, donc on va le péter. Voilà, il va loup. Tac. Ah, c'est pas la rota de l'année, hein, c'est clair.
mais ça devrait être amplement suffisant, je suppose. Je pense qu'il suffira d'une spé pour le fumer, quoi. Quand tu vois ce qu'on met déjà sur le crit, enfin sur l'auto, et à vue d'œil, vu qu'on crit, on doit avoir crit garanti dans ce cas-là. C'est vu qu'on a 3 fois crit, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Faudrait que je revérifie à l'occasion. Ok. Bon. C'est quoi cette rotation de merde, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on se la tente nos items? On va pas prendre de risque, on va utiliser un petit whiz. J'ai pas envie de passer de vise à trépas, comme on dit. Je préfère ne pas prendre de risque. Sachant qu'on a quand même pris une petite spé à 50 000 tout à l'heure sur Super C17. Je me dis, selon qui c'est qui nous en envoie une, on a vite fait de passer dans l'autre monde. Alors, 4 millions 8. millions 6, pas de crit en plus, donc c'est magnifique, pas de double spé, ça c'est dommage. Comme ça on va taper un bon petit coup de régène. Bon là on va prendre vraiment zéro dégâts avec la rotation, maintenant dans tous les cas on utilise un whiz, donc on devrait prendre que dalle. C'est assez marrant, c'est au final, c'est le seul qui a fait la 90% des dégâts qu'on a infligé, évidemment. Bon, c'est 16 int, il n'y a pas à dire. Fait bien le taf, le Titi, quoi. Déjà au million, alors qu'on n'est pas encore parti en spé Excel. 5 millions 6. Spé-sup. 5 millions 8, évidemment. Ah bah oui, là il était chaud à balancer de la sup. Hein. Ok, 0 dégâts. De toute façon, on est toujours sous Whis, donc ça devrait bien nous protéger. Je pense pas qu'on le bute dans le tour. Mais si on le bute pas, il lui restera pas grand chose, je pense. On a pris 13 000 et des bananes, je crois, donc c'est assez ridicule. On a 3 millions que le sel et l'air. Qui se fait un petit peu vieux, mais qui fait encore très très bien le taf. Mais qu'il se fait quand même un petit peu vieux. Soyons honnêtes. Il n'est pas de première jeunesse, on va dire. Boom. Moi, j'ai pas de tech. Donc là, de mémoire, on n'est plus sous Whis. Donc là, oui, son point de spé, on va quand même la sentir passer, je pense. Si. Petite spé sup. Comme ça, voilà. On lui recartonne la tronche. Et on passe à la dernière phase. Avec le petit critique des familles. Ok, dernière phase. Bon, on a l'air d'être plutôt pas trop mal là-dessus. Bon, bah si lui fait son taf, tout va bien aller. On a une belle rotation. Bon, c'est 16, ça devrait être bon. Je m'inquiète plus au final pour celle AJ, hein, vu qu'on sera en désavantage type. Ok, le petit million. Bon voilà, lui, ça sera jamais une bête de dégâts, mais au moins pour vous assurer que c'est un perso qui va encaisser. Donc ça, c'est le bon côté. Après, c'est sûr, ça sera jamais une bête de dégâts. Hein, loin de là, parfait. On prend la spouse qu'il faut, donc c'est nickel. Vous pouvez pas rêver mieux. Voilà, zéro dégâts. Il est vraiment devenu très très bon, ce petit C16. Bon, à la base, les Super Strikes, ça faisait très longtemps qu'ils étaient quand même rincés. Super Strike en anglais ou Super Assaut en... Ça faisait très très longtemps qu'ils étaient rincés. Bon là évidemment en termes de dégâts c'est pas ça. Hein.
pour ça que le CLLR Int, on va le laisser en rotation maintenant. Lui, il va être là pour faire le gros du boulot. Là, le seul moyen, ça serait de lui mettre beaucoup de dégâts au Goku, c'est d'arriver à crit avec le CLAJ. Ok, parfait. Et bah là, on va laisser ça comme ça. Ça me paraît plutôt une très très bonne rota. On va supposer qu'il va nous spé en première position, d'où mon placement, évidemment. En espérant que ça soit le cas. Après, justement, ça sera l'occasion de voir, bah, si on le prend sur Super C17, qu'est-ce que ça vaut avec un doublon. Allez, vas-y, spé-moi ici. Voilà. Parfait, magnifique. Bon, je pense qu'on va quand même prendre au moins, je sais pas, peut-être 80 000, un truc comme ça, peut-être un peu plus, je sais pas trop. 148 000, bon, presque le double. Ah, justement, il tape l'esquive et la spé sup. Voilà, 6,9 millions dans ta gueule, en espérant qu'on tape un crit. Histoire de lui mettre un max de dégâts. Et le crit qui passe, ça fait plaise. Les autos, ok, on prend que dalle. En plus, vu qu'il rattaque beaucoup là sur la fin, donc c'est parfait. On va pouvoir tanker que Super C17, puis après, phase suivante, on repassera que C16, donc qui pourra prendre l'aspect. Ok, les autos, on prend vraiment que dalle de chez que dalle. Nickel. Bah, la différence est très énorme quand même. Avec et sans, c'est énorme. Ok. J'aime vraiment pas cette rota. Bon, on va dire qu'on partira ce moment en SP avec celle, d'où on va utiliser le petit Whis pour la sécurité. Avec le C13, ça peut être assez embêtant des fois. Bon voilà, normalement, si on prend l'aspect sur C16, on n'a rien à craindre. Vu le nombre d'attaques qu'il a balancé, logiquement, on devrait la prendre dessus. Mais on n'a jamais de certitude. Parce que des fois, ça peut être décalé. Voilà ce que je veux dire, ça peut être décalé. Donc on la prendra sur le sel. Et justement, on fait pas de spé sup. Ah, ça, c'est pas cool. Donc là, on va un petit peu prendre Tarif. Voilà, un petit peu prendre Tarif. C'est ce que je disais. Par contre, ce qui est bien, c'est que les autos, on prend que dalle. Bon, maintenant, il faut espérer qu'on prenne pas trop cher sur C13, parce que sinon, bon, on est foutu. Clairement qu'on est foutu. Ok, 1,7 million. Pas de spé sup. Et on prend quand même 3 autos dans la gueule. Bon, voilà, c'est bon. Avec le Whis, on est tranquille. Sans Whis, j'avoue que c'est tellement longtemps que j'ai pas testé C13 que sans Whis, je sais plus ce que ça vaut. Mais au moins, transformation directe. Ça, c'est cool. Bim bam boum, la classe. On part en spé ultime automatiquement. On est toujours sous Whis, donc on n'a pas trop de crainte à avoir. Et puis là-bas, ça va faire mal. Ça va faire ultra mal. 7,2 millions. Hop, un petit 3,9 millions, pas de double spé, dommage. On part à 7,2 millions. Bon, si on peut crit, ça serait cool. Crit, double spé. Pas de crit. Pas de double spé. Bon, on crit là, mais voilà, malheureusement, pas ce qu'il faudrait. Et il va nous spé, donc évidemment, sur le sel. Puissance. Ce qui serait bien, c'est de taper une petite double spé, ça serait cool. Et de 1, ok, pas de double spé. Ah, on prend pas de spé dans ce tour-là. Ok, bon, bah moi ça me va, hein, j'ai envie de dire. Ça me va très bien. Et, on va sans doute terminer avec le C16, donc tout simplement. Voilà, ça s'est quand même très très bien passé, hein. Fallait juste item. Au moment où vous avez des petits doutes sur la résistance de vos persos, n'hésitez pas à taper un item, hein, surtout que là, il nous reste encore largement ce qu'il fallait, on avait encore 2 C8. Donc, tranquillou.
Non, 2000, c'est ultra mignon. C'est ultra mignon. Et à moins qu'il ne tape une esquive, maintenant il ne m'esquivera pas, donc il est mort juste là. Donc voilà pour ce petit Goku Rush vie artificielle et objectif Son Goku. Vous avez pu voir, ça passe plutôt crème. Il faut juste utiliser les items ou ce qu'il faut. Si vous galérez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord bien en description de la vidéo et de la chaîne. Puis non, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!